Et bonjour, c'est Maverick, j'espère que vous allez bien les petits soldats. On est sur Battlefield 2042 sur Xbox One S. Bon, grâce à Ultimate, j'ai accès depuis le 6 au jeu. Donc ouais, j'ai déjà pas mal joué un peu quand même là. Quand je vous fais cette vidéo, il est un peu tard, croyez-moi. Bon, j'ai eu quelques soucis pour les enregistrements, donc j'espère que ça va pas trop être merdique, ça va pas trop laguer. Donc ouais, j'espère que ça va pas impacter le jeu ni la qualité. Déjà que la qualité n'est pas optimale pendant les vidéos, alors là. Donc on est sur la bêta, hein. Comme son nom l'indique, la carte orbitale. Donc on va attendre un peu qu'on soit en partie, puis je explique un peu tout. Bon, je pense que j'ai regardé plusieurs vidéos, mais je crois pas qu'il y a beaucoup de vidéos sur Xbox One. Alors déjà, on va modifier à chaque fois, il faut reprendre son personnage. Alors moi, je joue avec Boris, parce que le gars au grappin, je vous ferai après, mais c'est vraiment pas le top. Vous avez plusieurs sortes de packs, en fait, qui sont déjà faits. Vous avez assaut, Medic, Ingénieur et Sniper. Ces 4 packs là que vous voyez sont disponibles pour chaque personnage. Voilà. Alors par contre, tac, normalement, je vais prendre Ingénieur. Voilà. Avec lance-roquette, c'est bon. Allez, c'est parti. Donc c'est déjà une map en cours. Ah, ce serait bien qu'il y ait mauvais doigt, comme ça je vous montrerai directement la tornade. Donc, je suis déjà mort, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors voilà, déjà quand vous êtes mort, vous pouvez rester appuyé sur RT le temps qu'on vienne avec un médic. Ou notre joueur, notre squad vienne vous soigner. Ou vous appuyez sur A. Pour passer directement et pouvoir respawn. Par contre, je sais pas pourquoi je suis mort d'un coup comme ça, il s'est cassé les jambes. C'est pas grave, ça arrive même au meilleur. C'est parti. Donc on peut voir les 3 points en bas, A, B et C. Chaque point a 2 points plus petits. On a par exemple sur le C, il y a C1 et ces deux gars là. Oh merde, je vous montre ce que je fais. Ah, c'est chiant, il est en hauteur. Par contre, voilà, c'est ça le problème. Vu que je repasse par l'ordinateur, j'ai des sacrés lags. Et j'ai une latence encore beaucoup plus longue avec la manette. C'est horrible. Parce que je peux pas l'enregistrer directement sur la console comme je fais mes vidéos d'habitude, hein, comme Cyberpunk ou autre. Parce que vu que c'est une bêta, Twitch il veut rien savoir, il veut pas prendre en compte. Ah, c'est un joueur, c'est un joueur. C'est bon, c'est bon, calme-toi. On est frères. On est frères à part, quand même. Bon, ils sont sur B, on va aller sur B. Je sais pas si vous avez pu remarquer, hein, je suis solo. Là, je joue tout seul. J'ai déjà joué en squad, franchement, c'est largement mieux. Ça n'a rien à voir. Donc vous pouvez voir qu'on a quand même quelques... Comment dire... Niveau graphique, c'est... ça va quoi. Là, regardez, hop, l'herbe elle a pas chargé encore. Oui, il y a des choses comme ça où... Bon, après c'est une bêta. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment optimisé pour Xbox One S et PlayStation 4 je rappelle, hein, on a 64 joueurs. Donc vous voyez là, on est en train de capturer, il y a 10 collègues en vert et 2 en rouge, 3 maintenant. C'est le nombre d'ennemis qu'il y a autour du point. Bon, je suis en train de discuter, je fais pas trop de frags, hein. Je tourne entre 30 kills hein, par map à peu près.
Oh le con. Il y a un mec derrière. Il est où? Alors j'aime bien jouer soutien. Hein. Donc, tout de suite, hein, pour s'amuser cette arme. Après je vais changer d'arme, changer de... Vous voyez un peu d'autres gameplay. Je vais vous montrer un peu graphiquement sur tout ça. Ah j'ai trop de latence, c'est pas possible. Je peux pas viser quoi. J'ai une latence de ouf. J'ai même des bugsons, alors les bugsons ça peut venir aussi de l'enregistrement. Hein. Je vous dis tout de suite avec la bêta et tout, franchement ça a du mal à charger. Hop. Je vais essayer de les pousser mes collègues à aller sur B1. On va passer par le petit bunker. Hein. Ok, c'est un collègue. Stand by, reloading. Ouais, ouais, voilà. De latence. Je suis vraiment désolé, j'espère quand même que la qualité de la vidéo sera pas mal. Au moins que vous voyez graphiquement comment ça se passe quoi. J'attends un peu. Bon avec Boris hein, on a la petite tourelle. En fait la tourelle c'est vraiment plus de la détection au niveau des. Au niveau des joueurs. Hein. Ça tire vraiment 2-3 balles sans plus. Je vais essayer de tirer une roquette pour voir. Oh merde, il recharge. Ah, vous avez vu, on a l'homme crapin. Franchement, l'homme crapin, c'est vraiment pas ouf. Hein. Voilà. Je vais ouvrir la porte, je vais s'arrêter. Je vais tirer. Hop. Il y a la vie qui va. Comment remonter tout doucement. Ah, ça lag, hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Je peux pas faire mieux pour montrer un peu le jeu. Mais par contre, il est vraiment bien. Hein. Franchement, c'est top. Hein. Bon, après, c'est une bêta, hein, je dis encore. Hein. Ouais, il y a quand je tire, c'est affreux. Bon, désolé, ce serait bien que demain, je sais pas, qu'il fasse un patch ou... Enfin un patch, mais une petite mise à jour qu'on puisse enregistrer sur Twitch. Directement avec la console, ça serait bien. Je peux pas vous montrer la map aussi, parce que la map, on peut pas l'ouvrir, alors je pense que ça vient de la bêta. Hein. On peut rien faire, je peux juste vous montrer les kills et tout. Comme ici, résistance, capture. De revenir vers la fusée. Vous voyez, il y a eu un temps pourri au début là, puis là on commence à avoir des éclaircies. On a pas eu la tornade. Donc en fait, la tornade c'est pas tout le temps. Oh là là, je peux rien viser du tout. Putain, c'est affreux. Je sais pas si vous allez voir en vidéo, mais. La latence est affreuse. Non, vu qu'on joue pas en squad, hein, franchement, c'est rare qu'il y ait un mec qui vienne vous soigner. Hein. Est-ce qu'on peut choper peut-être un véhicule? Qu'on puisse voir le véhicule, ce serait bien. Voilà, hop. 3, 3. Ah, on fait quoi? Transport. Allez, je vais essayer l'hélico. Je suis une merde dans l'hélico. Hein. Voilà. Vous pouvez changer la vue. Tout se fait avec les joysticks. Bon, on va pas faire le cascadeur. Hein. Franchement. Waouh. Ah bah voilà.
C'est horrible. Les hélicos, c'est horrible. Je suis nul, faut vraiment que je m'entraîne. Ah, c'est vraiment du gameplay poussé, hein. Attention hein, que je vous donne. Hein. Y a pas mieux. Hein. Je nique un véhicule. Voyez, on a un temps de rechargement du véhicule. Ah, bah nickel, un petit char. Ça, par contre, ça sait très bien en servir. Malgré qu'on va avoir une latence de merde. Et la fusée va commencer à décoller. Donc, moi, désolé. Ça, ça vient pas de la bêta, ça vient de l'enregistrement. Parce que j'envoie Xbox sur mon PC. C'est vraiment pas le top. La bêta, elle en souffre aussi. On va essayer de vous montrer un peu graphiquement sur tout ça qu'on veut voir. Mais franchement, la qualité des armes et tout est vraiment pas mal. Que je trouve un grappin. Ouais, on va essayer de se mettre dessus. Si on peut. Ah, il peut pas y aller. Allez. Ouais, il est monté. Allez, attache-toi. Ouais. Je pense que ça vient à cause du char, putain. Il y a tout pour faire chier. Ça a visé. Eux ils vont essayer de la détruire. Il est con. On doit la protéger nous. Pour gagner. Alors par contre je sais pas encore si c'est des joueurs qui essaient de la lancer ou si c'est comment on dit. Allez à toi. Vous voyez un peu graphiquement ce que ça donne. J'espère que la qualité sera pas trop médiocre. Normalement vous aurez en 1080. Alors, le sniper, c'est un collègue. Par contre on peut pas dire comme sur les autres Battlefield, donnez-moi un ordre machin, alors donc vous visez à un point et hop vous lui dites. Voilà. Bon c'est encore un peu bugué les points, hein. Ça a du mal des fois à les sélectionner. On va se coucher tranquillement. Franchement je préfère vous montrer des trucs comme ça pour l'instant avec un peu de qualité. Avec un peu de qualité graphique parce que de jouer directement ça va être la merde. Je changerai de classe et on essayera parce qu'avec cette arme de merde en plus c'est terrible. J'ai trop de latence. Donc, normalement l'ennemi là devrait venir détruire la fusée pour pas perdre la game. Bah bon, est-ce que tout le monde le sait, ça je sais pas. Par contre l'effet de pluie et tout, l'effet mouillé, je sais pas si encore un collègue. Et là, c'est vraiment pas mal. Oui bah va pas l'exciter toi, il va nous envoyer un petit missile l'avion. Bon allez. Ou alors lui, peut-être qu'il va tout qui décolle. C'est possible. Donc là le jeu sur la bêta il est trop play. Ah il essaye, il est en fait. Il essaye. Y'en a qui savent. Hein. Allez là on va pas rester qu'un jeu. Oh allez là peut-être. Hop. Bon par contre on va dire qu'on a un périmètre de 10 mètres à peu près pour le chargement d'herbe, d'arbres et tout. Sinon au loin vous voyez on voit 2-3 armes mais l'herbe et tout ça cherche pas tout de suite. Faut vraiment être tout près. Allez là je vais montrer un truc assez joli, putain c'est long. Du
prends le sniper directement en fait. Bon, on va y aller, là. C'est trop long. Par contre, ne pas mettre son parachute, là, c'est ça. Bon, on va tuer 2-3 mecs. Oh putain. Ça commence. Voilà. Ah désolé, j'aurais dû rester au-dessus. C'est pas mal du bas. Hein. C'est magnifique. Ah, oh, fait chier. Je suis en train de faire une vidéo, mec. J'étais sûr. Tout ça pour ça. Bon allez, c'est parti, on va changer vite fait la classe. On va prendre lui avec le grappin, même si j'aime pas trop l'utiliser pour vous montrer un peu, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient le grappin. Voilà. Ça bug de ouf. Char et nuit là-bas. Je vais essayer de le roqueter un peu. Oh putain, ça lag. Donc pour les flèches, la flèche directionnelle, hop, vous faites avec les touches A, X, Y et B. Hop, A pour avoir la poignée, Y pour changer les viseurs. Les canons sur les côtés. Et les chargeurs. En même temps, je vous montre des trucs comme ça alors que je suis en plein milieu d'un parking. Oh là là, quel noob. Lag. Putain, mais j'appuie sur le A, mais le temps que ça vienne, machin, j'ai trop de lag. C'est affreux, je suis désolé. Hein. Encore une fois, hein. On va essayer de jouer au sol directement, tranquille. On va essayer de faire un truc propre quand même. Allez, c'est parti. Oh, je suis tombé. Oh, vache, ça lag. Heureusement que j'ai des collègues qui arrivent à me tuer. On a 2-3 petits bugs, mais bon, c'est une bêta. Hein. On rappelle. J'ai les boules. Merci, marsonnier. Oh. C'est la guerre, pas trop. Alors pareil, les grenades sont sur les flèches directionnelles, franchement, vous avez vu comment je lag les rollbacks et tout. Bon, des fois ça arrive avec la bêta, mais c'est l'enregistrement. Ça bouffe trop de ressources, c'est affreux. C'est affreux, j'arrive à rien faire. Alors que je suis pas un grand joueur, mais je me démerde plutôt bien. Je suis vraiment désolé. Enfin bon, au moins on peut voir graphiquement. On va essayer d'aller voir aussi un peu la nature. Un peu la nature. 2-3 herbes là. Vous voyez graphiquement comment ça charge. Ah. Là, ce qui sonne, je crois que c'est signe de tornade qui arrive, une tempête.
Donc vous voyez, c'est pas... Oh, regarde. Attendez. Oh, j'arrive même pas à tourner, je tourne, c'est neuf. D'accord, ça m'a pas manqué de tuer. On voit que voilà, la végétation commence à charger. Voilà, c'est vraiment... Bon après c'est les vieilles consoles maintenant, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Ils nous ont quand même gardé le truc de la météo et le... Ah oui c'est vrai que j'ai crapin. La météo et les destructions donc on va pas se plaindre. Alors voici le grappin. Hop. Et vous embarque. J'ai pas réussi à m'accrocher sur un véhicule. Ouais. Allez saute. Mais il saute même pas. Ah bon. Ok, j'ai un bug. Putain. Allez, c'est bon. Il se déplie du tout. Vous voyez la tornade au fond? Elle va venir sur notre gueule. On va essayer de revive aussi un collègue, voir un peu ce que ça donne. Vous puissiez voir. Ah merde. Oh, je le touche même pas. Je tire à côté, c'est incroyable. Ouais par contre voilà je trouve qu'il manque d'animation au niveau de le... quand on soigne nos collègues, quand on monte aux cordes. Vous voyez là sur la carte une sorte de cyclone, bah c'est la tornade. On va essayer de aller sur A. Voir un peu de plus près. Et dès à cap A1 on est en train de le perdre. Ça va être tendu hein. Je recharge comme une grosse merde. Putain. Surtout avec celle-là, j'arrive à one shot quoi. Voilà. Les bugs sont des... Merci de venir les collègues parce que là j'arrive à rien faire. Ça c'est un hélico de merde. Le lance-roquette que j'ai c'est pas le top pour viser les hélicos. Il essaie de me couper. Et les armes c'est vraiment pas trop mal aussi, franchement. Je m'attendais à pire au niveau des armes, je me disais oh, c'était un peu dans le futur, tout ça ils vont faire des armes de ouf. Bon, en fait non. C'est... Franchement, les armes sont vraiment bien. Parce que ouais le seul truc que je reproche c'est graphiquement, mais après c'est plus bêta hein. Sur les old gen là on... Ça a du mal à charger des fois. Il est pas mort, si il est mort. Pareil, ça met du temps aussi à dire si vous l'avez tué ou pas votre gars. Votre ennemi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voyons, on commence à avoir des parasites au niveau de la carte et tout. Hein. Ça c'est la tornade hein, qui fait ça. Oh ils sont là. Alors ça vous tue. Le gaz. Merde. J'étais ailleurs. Là ça vient pas des latences. Hein. C'est moi, j'étais vraiment ailleurs. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, sur Orbital, bah en fait des fois on croise beaucoup de monde, puis des fois ça dépend des peut-être des autres joueurs et tout, on a vraiment du mal.
On va essayer d'aller dans la tornade pour vous montrer ça. Alors, ouais, ce que je disais sur Orbital, des fois on va avoir beaucoup de monde, ça va être un beau combat et tout. Et puis des fois on va chercher l'ennemi, quoi, directement. Parce qu'on a du mal. Oh, j'espère juste. Allez, monte. T'as le droit de monter, hein. Ah, j'ai déjà pris un conteneur dans la gueule. Non, ouais, un conteneur, je crois que c'est un conteneur dans la gueule. On va y aller. On va se faire lever par la tornade. Hop, je vais sortir. Putain, mais j'ai éjecté direct. Oh là, non, c'est vraiment tout. Chier. Peut-être que je peux choper le véhicule. Il y a un petit véhicule. Oui, il y a un véhicule là-bas. Oh bah, coupé, on est sur son tracteur. Franchement, je trouve que c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Hein. Bon, les gars, on n'est pas les seuls à vouloir tourner le coup. Je veux dire, il n'y a pas de latence quand la tornade arrive et tout. On a vraiment bien. Ouais, cette animation où il va mettre la main devant lui, normalement. Voilà. Alors, ça fait pas tout le temps. C'est vraiment bien. Vous voyez les conteneurs qui se lèvent et tout. Allez. Allez, vas-y. Quand vous ouvrez le parachute, restez dedans. Voilà. Et tournez autour. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et des fois, on vous envoie hors map. Je sais. On vous envoie un peu nulle part. Bon, je suis rentré dedans. Allez, je coupe. Voilà, c'est réjecté. Donc voilà, pour vous montrer un peu graphiquement ce que ça donne, hein, c'est surtout ça, hein. Parce que je pense que niveau gameplay, il y a vraiment d'autres joueurs qui font mieux. Ah, il m'a vu. Voilà, là c'est la tornade qui me pousse. Oh putain, je retourne dedans. Ah, je suis hors carte. Elle roule ma poule. Oh non. Ah, j'étais à 2 mètres. Bah c'est cool, au moins j'ai réussi à vous faire montrer un peu ce que je voulais, la fusée et la tornade, surtout au niveau graphique. Je répète, hein, parce que là le gameplay c'est injouable, je suis vraiment désolé. J'aurais pu vous montrer de jolies choses. Wow. Bien joué. Oh mais je suis trop lent, c'est affreux. C'est affreux. Le temps qu'il tourne. Quand je tourne avec le joystick, j'ai trop de latence. Oh. Got to start securing sectors. Enemy has majority control. Alors par contre, au niveau de la grenade qui est là, tiens. Voilà. Bien joué. Ouais, par contre les grenades sur la flèche directionnelle, j'ai vraiment eu du mal à m'y habituer. Là, je vous ai pas montré pour l'instant pour la bêta. Niveau armes, voilà ce qu'on a. Au début, on n'a pas la K30, on la débloque. On débloque la AK. Et c'est tout. Bah, pour l'instant, je suis niveau 11, si je dis pas de conneries. J'ai rien débloqué d'autre. J'ai débloqué en arme secondaire. Hop. Le Magnum M44. Voilà. C'est tout.
rien de plus franchement. Et franchement, ouais, et puis le grappin comme je disais, c'est peut-être un peu trop loin, ouais. Il sert pas des masses hein. Franchement pour moi c'est pas le meilleur hein. Je préfère utiliser Boris avec sa tourelle qui arrive à me détecter de l'ennemi. Surtout quand je joue quand je le soutiens. Genre c'est pas mal. Comme un lapin, il arrive pas et on me tue pas. Je ferais ça en vrai là pendant une partie, je vais te flinguer n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai, on peut appeler avec notre tablette. Hop, on a appelé un petit chien robot là. Il est là. Ça aide quand même un peu. Franchement c'est dommage que j'ai pas ma tourelle. Avec Boris ça aurait été pas mal. J'essaie d'avancer un peu, ça lag. Voilà, voilà, c'est affreux. J'arrive pas à jouer. Il y a des joueurs là-bas, on va essayer d'y aller quand même. On va essayer de donner un peu de gameplay. Ah putain, la vie de mort. Oh, en même temps, je joue comme une brêle. Je suis désolé. Oh putain. On va faire médic, vite fait. Alors, chaque personnage a différents gadgets et on peut avoir des caisses de médic. Ça, c'est un lance roquette pour sol air plutôt. Ça, c'est pour réparer. De l'armure, C5, munitions et des médocs. Donc, en fait, vous n'êtes pas obligé de jouer vraiment. Le spécialiste médecin pour soigner vos collègues. Alors, moi des fois j'apprends un peu de mal, par contre on va prendre elle avec son petit pistolet à seringue. Allez, on va prendre aussi la caisse. On va se la jouer, mais médecin sans frontières. Je vais mettre. Voilà, j'ai un bug, à chaque fois que je veux mettre la poignée, ça met une. Ça me met un peu bizarre. Avec deux. Merde, t'es au-dessus. Ah, puis il veut montrer des trucs et me fait avoir à chaque fois. Hop, on va essayer de soigner nos collègues. Ah, il est en train de soigner, voilà, comme ça soigne. Je vais y aller. Allez, revive. Des fois ça bug, hein. Ah, là, je pense qu'on arme de merde. Bon, bah voilà. C'est pas le top des fois. On va y revive un autre. Vous voyez, je trouve que ça manque d'animation, d'animation. Hein. C'est bon, je sais pas, je trouve vraiment pas top l'animation de revive. J'ai un coup de revive. Revive. C'est l'animation pour n'importe quel personnage, hein, c'est la même. Parce que vous pouvez
soigner, comment, pour mettre debout vos collègues de la même squad. Il y a que le medic qui peut relever les autres squads. Voilà. J'espère que c'était clair. Ouais, y a un chat. Je vais regarder les explosions, voir si on... si vous pouvez voir un peu de trucs graphiques. Ah oui, puis dans la bêta, le VoIP entre joueurs de la squad ne fonctionne pas. Peut-être que c'est prévu. C'est normal. On va essayer de shooter 2-3 mecs. Je peux rien faire, j'arrive pas à courir, c'est... ça, quoi. C'est vraiment des gameplay à l'arrache que je vous fais là. C'est surtout pour voir la qualité, quoi. Puis j'espère que ça vous plaire. Alors, on va mettre lui. On va prendre pour le drone, je l'ai encore jamais utilisé. Le diff. On va peut-être changer l'arme. Ah bah. Voilà. Bon, c'est surtout une vidéo, hein, que je vous le redis, c'est vraiment pas une vidéo gameplay, mais plus voir graphique, qu'est-ce que ça donne, graphiquement, plutôt, excusez-moi. Donc voilà. J'espère quand même que ça vous a plu, je suis vraiment désolé, j'ai trop de lag avec l'enregistrement, je peux pas faire mieux. De base, je voulais même pas la faire, la vidéo, parce que je sais que c'était injouable. Et je me suis dit, oh, ça sert à rien que je fasse, et puis bon. Je me suis dit, allez, vas-y, au moins pour... graphiquement pour ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur Xbox One S ou PlayStation 4. On voit beaucoup de vidéos sur PS5 et série S et X. Donc voilà. Par contre, on n'a pas de mal à trouver des serveurs. Franchement, c'est ultra rapide. Voilà. Donc par contre, je sais pas si ça va changer ou pas plus tard. Je pense que oui, parce que on puisse choisir directement son personnage, ça serait bien. Excusez-moi, je bafouille, ce serait bien de choisir directement son personnage ici, au lieu d'être envoyé à la carte et de choisir son personnage après. Parce que... attendez, je vais vous montrer. Le temps que vous choisissez votre personnage avec votre pactage et tout, c'est beaucoup plus long, parce que surtout ça vous remet jamais le même personnage. Donc, par exemple, moi je joue beaucoup Boris. Hop, faut que je refasse les manips. Je choisisse le pack ingénieur. Voilà. Normalement, j'ai fait les modifs pour voir. Pack ingénieur et pack assaut. Ça m'a gardé les pistolets et tout. Donc, en fait, vous pouvez faire votre petite classe avec votre personnage. Quoi. Voilà. On se déploie. Ouais, c'est même déjà en cours. Vas-y lui. Et lui aussi meuf. Bah écoutez, on va cesser là-dessus, voir cette belle mort encore. Moi je vais retourner jouer. Je vais vite arrêter cet enregistrement. Et je vais l'upload directement sur YouTube et puis voilà. Bon, je suis désolé, hein, encore une fois. Hein. Mais au moins vous pourrez peut-être voir un peu la qualité du jeu. Franchement, c'est pas mal, hein, regardez ça. C'est assez joli quand même, hein. on peut pas dire le contraire. Hein. C'est vraiment pas mal. Ah bon, par contre, toi, ça. Si on va regarder les champs, ça cherche pas là-bas, vous voyez, au fond. Bon, c'est un compromis. Faut s'y faire. C'est comme ça. En fait, on dirait qu'on joue en lot. Pour moi. Puis ça doit sûrement être ça. Voilà, j'arrive pas. Aïe, il m'a vu. Help me up now. Il est quand même tué, mais bon. Voilà. Regardez, ça c'est l'effet mouillé. Ah non, c'est pas mal. Allez, on s'assoit là-dessus. J'espère quand même que ça vous a plu. Allez, salut.